On parle aujourd'hui du prix de la dot. Nous le savons tous que le prix de la dot est exorbitant au Congo. Nous allons demander l'avis des Congolais à ce sujet. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Je suis Ashley l'impressionniste et bienvenue à notre émission « Qu'en penses-tu ?» Bonjour monsieur. Nous le savons tous que le prix de la dot est exorbitant au Congo. Et que penses-tu à ce sujet ? À ce sujet, à mon avis, il y a une question que les parents prennent une conscience. Nous sommes dans un pays, les circonstances sont difficiles, les gens gagnent moins et tout, sauf que les parents ne tiennent pas compte de cela. Ils exagèrent concernant la dot. Il s'avère que l'État avait prévu la dot à 50 000 francs. Certains parents exagèrent en demandant les 1 million, les 900 000, 800 000. Ce qui fait que la jeunesse congolaise est très difficile pour nous tous ces années. Et papa, si ça tombe dans vos permis d'éducation, comme prototype, comment est-ce que vous allez gérer cette situation face à Dieu? Écoutez, dans tous les cas, c'est mon fils qui a fait son choix. Si on lui demande 900 000 euros, il pense qu'il est capable de devenir pilote. Et à mon avis, je suis vraiment d'accord avec ça. Et que pensez-vous, ou quel message vous pouvez passer à ce parent-là qui exagère sur le prix de la dot? Et plus pour Congo, les gens pensent que nous vendons les enfants. Alors, maintenant, nous les faisons marier, on vient dans les enfants. Ce beau fils que vous êtes tenté de taxer sur le monde-là. Ceci le bien qu'il dit, vous aurez des problèmes dans votre commissaire de dossier ou quoi. Donc, on demande ce monde-là. C'est là où c'est dangereux. Moi, je pense que si tous parents peuvent prendre conscience sur ce point-là, laissant que les choses soient comme il était là, à ce moment-là. On verra que dans deux matières, on aura beaucoup de jeunes qui se marient. Donc, si je vois bien, papa, si c'est de votre côté, votre fille veut se marier, vous allez bien demander ou bien faire la vie. Moi, ma fille, à moi, je vais demander ce qui est normal. Je vais leur donner cette chance-là. Ça, on dit, nombreux des filles font des enfants chez les parents, c'est la compte de tout ça. Merci beaucoup, papa. Je vous remercie. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va très bien. Nous le savons tous que le prix de la dot est exorbitant au Congo. Mais qu'en penses-tu à ce sujet-là? Bon, ce qui est vrai, le prix de la dot est exorbitant parce qu'on va prendre deux volets. Parfois, il ne faut pas écouter tort aux parents. La première des choses, lorsque les parents reçoivent ceux qui viennent, le prix de la réception est élevé. Donc voilà pourquoi on peut lui donner plus cher. Mais nous ne pouvons pas épuiser cela. Nous devons se référer de la loi de notre pays. La dot est égale à 50 000. Donc, pour encourager le jeune à se marier, nous devons revoir les prix. C'est-à-dire tenir compte de la norme, donc de 50 000. En plus, s'il y a des choses à demander à sa belle-famille ou à Jean, on peut voir comment faire et ajouter un petit dans ce sens-là. Donc, si je vois bien, pour autant que parents, si cette situation tombe, votre fille est prête à se marier, vous allez bien faire le prix de la dot? Bien sûr, pour éviter que les enfants puissent se taire. Parce qu'après le mariage, il y a une vie. Donc, il faut donner la protection des enfants. Après le mariage, qu'ils ne puissent pas plus se tracasser, avoir des dettes à ce que ce soit. Donc, il faut arranger le prix. Il y a le prix un peu abordable à l'heure. Et quel est le message que vous pouvez passer à ces parents-là qui exagèrent le prix de la dot? Bon, exagérer parce que après, nous irons voir les enfants, nous irons manger là-bas. Les enfants vont nous donner quelque chose. Si nous demandons cher, c'est les enfants que nous mettons sur la croix. Donc, nous devons encourager ces enfants-là. Je demande donc aux parents de ne pas exagérer avec les prix, mais de savoir encourager les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de coups, les femmes viennent juste comme ça, sont dotées ainsi de suite. Mais si vous trouvez quelqu'un qui vient chez vous, amène quelque chose, encouragez ces personnes-là. Donc, les parents, nous devons encourager le jeune à se marier parce que lorsque nous prenons la Bible, Dieu encourage le mariage, pas le concubinage. Bon, aller au mariage nécessite de l'argent. Donc nous devons encourager les enfants, déjà avec le peu, avec la direction économique du pays, encourageant les enfants à se marier et ne pas à mettre les prix là où les gens vont se décourager. Merci. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Nous savons tous que le prix de la dot est exorbitant. Mais qu'en penses-tu de cette situation? Les jeunes exagèrent, il faut se référer tout simplement à la code de la famille. Le code de la famille, la dot est de 50 000. Si les gens commencent à vendre,
couverture de la dose de l'air. Donc, autant que vraiment, si ça, cette situation-là vous arrive, votre fille veut se marier. Donc, vous allez mettre la dose à 50 000. À 50 000 points, je ne vois pas ma vie. Elle est ma fille, je ne pourrais jamais l'avoir. D'accord. Et quel conseil vous pouvez passer à ses parents qui exagèrent pour attendre? Le vendeur va nos enfants. Ça, vous demandez 500 000, 1 million, 2 millions pour la dot de votre fille. Mais sachez-en que demain, si le monsieur décide de vous rembourser sa dot, qu'est-ce que vous allez dire? La dot, elle est de 50 000. Parce que lorsque l'enfant se marie, mais elle est l'enfant de la famille. Du côté maternel ou bien paternel, de la parente visite à ton beau-fils, que son beau-fils doit faire. Il doit se charrier de gauche, t'achètes un jus, t'achètes une bouteille de bière pour t'en dire que tu ne veux pas t'en. C'est mauvais. Voilà pourquoi les enfants t'aiment le jour dans la rue. Le mariage est devenu quelque chose de tabou, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Bon, tu demandes 50 casiers, je ne sais pas combien de perroises. 2 millions de pirogues. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Mais ça va. Nous savons que le prix de la dot est élevé ou encore exorbitant au Congo. Mais que penses-tu de ce sujet-là? Ben, c'est un sujet tabou. Aujourd'hui, les parents n'arrivent plus à appliquer les normes. C'est-à-dire, nous voyons une fois la pratique. Le prix de la dot, les mariages sont finis de 50 000. Mais je ne sais pas, au niveau de l'état civil, l'administrateur, c'est-à-dire les autorités compétentes pour la matière, quand ils demandent à la famille le futur à marier, combien la famille a reçu la dot, on est dans leur pose la tête, ils ont reçu 50 000 francs. Tout le monde vit. Mais là, je dis, c'est pas de l'air. C'est une arme. Hein? Quand c'est à l'entente, hein? Dans le fond, okay. C'est ça qui va recharger une bonne femme. C'est précis, hein. C'est-à-dire, pour cas de divorce, des différents médias de rembourser des femmes, elles ont des banques. Quand on vit, non, et à la liste, on a fait ça en revanche médialement. 100 000, 200 000, en commençant par 100 000, 500 000. Nous connaissons bien que les parents, qui sont l'origine de ce débordement-là. Pouvez-vous dire à ces parents-là, il faudrait qu'il pourrait faire pour sa femme, leur marquer, non, mais faire plaisir aux autres, c'est-à-dire aux invités, aux gens qui viennent, alors que c'est une affaire. C'est symbolique, c'est des formalités. On se marie pour le meilleur et le pire, et non pour l'argent. Voilà, c'est un peu ça. On ne doit pas juger des gens par les faits, qu'ils votent, mais on doit lire le droit. Voilà, je vais dire aux parents qui sont un peu, qui exagèrent, bon, oui, hein. D'accord, donc, toute cette situation nous arrive au moment où vient vos filles de se marier, à combien sera la dot? Ah, ben, je me dis, j'ai tasqué, hein. Eh, ben là, on ne peut pas faire, je peux dire si le cas, si la dame décède, là-bas mariée, il se bat les bains. Je dis non, l'argent là, je ne dois pas prendre. Mais les gens vont dire que c'est un fou. Mais moi, je dis, je vais être mort. Mais pour ma fille, je pense c'est qu'il faut voir les deux parties. Côté madame et côté monsieur, des parents. Si vous dites 50 000 fois, les autres vont dire quoi? C'est ça le nœud du problème. Comme on dit, on est dans le bonnet, il faut qu'il y ait l'entente. Quand il n'y a pas longtemps, ça veut dire qu'il y a des désaccords. Quelques certes, très attention. Tout ça, on a nos valeurs qu'on doit respecter. La famille, c'est tout. Mais nous, on ne respecte plus.
Il y a nos valeurs, le mien est détruit. On voit un peu le film avec Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite à vous abonner aux nombreuses plateformes de Pure TV. Merci à toute l'équipe technique Pure TV. Au revoir et à très bientôt.